Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur Rimworld Royalty, les reines du Nord. Et à vrai dire, c'est bientôt l'été, ça se voit, il fait moins 10 degrés. C'est la vague de chaleur que nous devons supporter, nous transpirons de partout, les coups de soleil nous tannent la peau. Colombes, renardes et grésilles sont à la base, libellules et hirondelles sont parties. En vadrouille, j'aimerais bien avoir une recrue de plus maintenant qu'on a commencé à avoir un petit, on va dire un plan pour avoir de la nourriture. On fait des expéditions, on aurait pu en profiter pour ramener du bois, mais le bois ne nous sert que peu. Toutefois, il est nécessaire pour certaines constructions, donc on va devoir faire un petit peu attention à nos 15 de bois, c'est pas assez. Il faudrait qu'on en ait un petit peu plus. Libellules et hirondelles arriveront dans. À la fin de la journée, Grizzly est reparti, comme d'habitude. Des repas, des repas, des repas. J'en veux 70 d'avance. C'est peut-être un petit peu prendre mes désirs pour mes rêves pour des réalités. Mais quoi qu'il en soit, même si un jour j'en avais 70 d'avance, alors évidemment là c'est pas du tout petit. Même si un jour j'en avais 70 d'avance, ça ne durerait probablement pas très longtemps. Toutefois, ça peut pas faire de mal d'avoir des repas d'avance. Il ne semble pas se périmer rapidement. Là, on est en congelé, donc vraiment. Très bien. Tout le monde mange à sa faim. Les recherches repartent et surtout, Renard enchaîne les recherches. Elle va enchaîner les recherches et on ne va pas prendre la culture hydroponique tout de suite. Parce que mettre en place la culture hydroponique, ça veut dire mettre en place beaucoup, beaucoup de systèmes d'énergie, de sécurité, de sauvegarde. On ne peut pas se permettre d'avoir des pannes, etc. Et je pense qu'il est nécessaire pour nous, avant cela, d'avoir les bases de la microélectrique, qui vont nous apporter notamment la console de communication et le commerce. On va pouvoir vendre nos trucs. Ça fera du bien. Ok, Colombe est construit. Et quand elle ne peut pas construire, elle va crafter. Donc elle va déjà finir tout le tour qui est ici. Tout le tour qui est là, elle va faire tout ça. Et après, on aura des petites réparations quand même. Ça aussi, on peut démonter. Alors normalement... Vous allez me dire, oui, bah c'est bien, mais bon. En fait, en temps normal, pour que ce soit un petit peu plus. Voilà, que ça perde un petit peu moins la température, je devrais faire une deuxième couche de mur autour. Mazette, mazette. Et d'ailleurs, ce n'est pas que en temps normal, je vais faire une deuxième couche de mur autour. C'est juste que je la fais pas tout de suite en premier. Se cache dans sa chambre, Colombe, c'est très bien, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, dis-moi ce qu'elle a qui va pas. Pantalon d'un mort. Je porte trois vêtements de quelqu'un qui est mort et ça se fait peur et je me sens sale. Ok. Ok. Ça. Bah, plus tard. Est-ce qu'elle a des pantalons d'un mort, elle? A dormi dans la chaleur. Elle se plaint de la chaleur! T'es sérieuse, Renarde? T'as dormi dans la chaleur, c'est terrible, hein? C'est affreux! Chaud! Elle a chaud! Ah, mais c'est parce qu'il fait trop, il fait plus de 30 degrés dans cette pauvre pièce! On va donc ouvrir ici, allez hop! On va laisser ouvert! Voilà, ça va aller mieux, t'inquiète! Ce n'est que temporaire! On va réchauffer du coup un peu plus ici! Ça va être mieux ici, il fait 15 degrés, ici il fait 10 degrés, ici il fait 0 degrés, mais ça va évoluer. Et dehors, il fait 0 degrés. Voilà, elle aura bientôt plus chaud. Ça va aller mieux, t'inquiète. Sommeil troublé, oui, parce que vêtements usés maintenant. Ah oui, mais attends, il y a un moment, faut choisir entre le truc d'un mort et... D'accord, elle a des trucs de mort, elle, mais ça la dérange pas. Elle en a rien à faire. Alors attends, la parka en poil de mort. Elle a trois trucs de mort. Elle s'en tape complètement. Renarde. Alors les filles, on arrive? On s'apprête pour la bataille?
Moi je suis prêt. Ah, ici on peut pas attaquer, hein. Ils doivent être une bonne vingtaine là-dedans. Hein. Eux vont nous attaquer. Antonio, il veut dire pas, t'en as fait 30, 40, 55. Oui, de toute façon, tu vas faire juste 70, puis tu vas t'arrêter, à mon avis. Il n'y aura plus de viande. Mais en même temps, on a une semaine devant nous. Ça fait plaisir. Allez, filles. Meute de chasseurs d'hommes. D'accord, attends, parce que nous, on est où? Parce que nous, on n'y est pas là. Ah, la meute de chasseurs d'hommes, elle est là, c'est ça? La meute de chasseurs d'hommes, elle est ici? Ah oui, elle est là. C'est très bien, c'est très bien. Oh, ça fait tellement bizarre sans la neige. Allez, ils y sont. Ok, alors, où sont les ennemis? Écoutez, je ne sais pas. Déjà, on va observer ici s'il y a des trucs à miner. Visibles, évidemment. Hein. Ni plus ni moins. Là, non. Là, non. Là, non. Là, ici. Il semblerait que non. Donc, on n'a apparemment rien à miner. Super. Bon. Et il y a de la faune. Il y a deux fichus lapins. Alors ça, c'est la déception. On perd pas de temps pour de lapins. On perd pas de temps pour de lapins, hein, pas du tout. Zone. On est parti. Allez hop. Assignation. Vous mangez des repas simples, vous en avez aussi. Ça devrait suffire jusqu'à ce que vous soyez parti, monde. Bon, grosse déception là. M'attendais à des ennemis, hein. Je savais bien qu'il n'y avait que ça comme objet, mais je m'attendais à des ennemis. Mais évidemment, on prend nos repas simples, bien entendu, le neuro-entraîneur. Une urne en métal. Non, on prend rien d'autre. C'est reparti. Bon, en dehors du fait que vous creviez de chaud, messieurs, mesdames, plutôt. En même temps, Colombe, si tu vas te foutre la tronche dans la tête dans le trou du geyser, ça risque bien de déboucher les narines quand même. Hein. Je vois bien la vapeur qui sort par les oreilles. Il y a d'autres méthodes hein, pour se faire du bien. Colombe, elle est mandataire. Renarde, elle est rien. On n'a pas de quête. Hein. Non, on n'a pas de quête. Ça, c'est les deux façons de sortir. La façon normale. 39 jours, intéressant. Et la façon Royal Ascent. Pâte nutritive. Ah, mais elle déchire, elle déchire, elle déchire tellement. J'ai presque envie de faire les petits trucs comme les meubles complexes, les lits, les doubles. Hein? Ça serait bien qu'on puisse faire des vrais lits. Le cacao, c'est peut-être pas pour tout de suite, par contre.
Bah, Grizzly continue à faire de la nourriture. Là, on a la belle vie avec ça. Sincèrement, ça nous a changé la vie. Va falloir que je m'occupe du sol quand même. Là, on a quoi là? Du carrelage en acier, 100%. Du sol pavé en béton, 100%. Et au niveau du décor, ils aiment ça comment? Ah, le carrelage en acier, ils aiment bien. Et le sol pavé. Donc le sol pavé en grès. Peu importe en quoi d'ailleurs. Ça n'a rien de spécial. Dalle en béton, sol pavé en béton, plancher en bois, plancher en pavé en granit. Pareil, carrelage. Là, c'est plus joli. Ok. On attendra d'avoir des trucs encore un petit peu plus jolis plus tard. Renard, toujours en colombe, elle s'est couchée après sa crise de nerfs. Vas-y, bosse dur. Libellule, hirondelle, bah, sont repartis en vadrouille. Hein. Colombe, fait du ménage pour pas changer, parce que bien sûr. D'accord. Quand même, ça serait bien que tu fasses après artisan et constructeur. Tu l'as pas du tout en fait. Hein. Allez, nous y voilà. Alors, Grizzly renarde à fond dans les recherches. Finalement, maintenant les recherches vont plus vite que ce qu'on a le temps de les utiliser. Qu'est-ce qui te manque ici pour construire de l'acier? 125? Pas de l'acier, ça, si. Bah, je te laisse finir ça, de toute façon. Même si c'est l'été et que c'est pas hyper important maintenant, j'ai hâte que ce soit fini. Je crois vraiment qu'on peut envisager le passage à la suite. Ok, vague de froid. Ah bah ça faisait du temps, longtemps qu'on avait, qu'il nous manquait une vague de froid. Alors non, non, ça ne va pas être une vague de froid mortelle. Contrairement à ce que cela peut prétendre, nous sommes très à l'aise dans le froid. Ça ne devrait à peine nous affecter, avoir juste arrêté de se plaindre de la chaleur. Avec l'hiver par moins 50, ça devient un tout petit peu dur. Quand je vois que Colombe d'ailleurs a des vêtements qui l'amènent jusqu'à moins 30, je crois seulement. Fatalement, ça va piquer un petit peu. En moins 56 pour Colombe, je pense que c'est pas le problème. Grizzly a par contre du moins 31 seulement. Vous voyez, donc là ça peut piquer un peu en hiver, mais pour le reste. Quoi, c'est déjà fini la journée de travail là? Alors, combien j'ai de. 75. Heureusement que je lui ai dit de s'arrêter à 70, ça fait plaisir. D'accord, oui, bah maintenant il est fait un par un. Non, mais c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Alors, répéter jusqu'en posséder 10, très bien. Voilà, comme ça il ne fera des plats à l'unité que si on en a moins de 10. Et voilà, maintenant qu'il n'y a plus besoin de faire de plat, c'est parti, et ça bosse.
Mais du coup, Grizzly, je vais te... Oh, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ça. Grizzly, je vais te remettre en... t'enlever l'artisanat. Et je vais te mettre en constructeur. Constructeur avant, mineur. Oh, mineur, c'est bien aussi. Il n'y a plus personne construit. Constructeur avant mineur. Tu construiras quand tu auras des trucs à construire. Dès qu'elle aura fait des planches, tu iras construire et entre-temps, tu iras miner. Et si on a une quatrième personne qui arrive, eh ben, on s'occupera d'aller miner un peu plus. Pour l'instant, on est juste en train de faire un pourtour de base qui va nous garantir une plus forte chaleur cet hiver. Ah, ça fait long là, ça fait un sacré mur. Là, par contre, je pense que je peux aller le chercher assez facilement en minant, justement. Hop là. Que l'on prépare des briques pour pas changer. Les bulles d'hirondelles ont bien avancé, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai hâte d'aller voir ce qui se passe ici. Attends. Elles sont toujours en route, on est d'accord, hein? Waouh, 0,4 jours, elles vont vite, hein. J'aimerais bien qu'on fasse ça, moi, là. Colombe, t'accepterais de faire ça? Composants. Adieu la chaleur. Après, ça va arriver ici. Le vrai couloir, normalement, il arrive là. On va le faire après. Le vrai couloir pour l'instant. Allez hop. Faire ça quand même avec vous, vas-y. Alors, notre établissage, fabriquer un patchwork, fabriquer une veste, fabriquer tout. Rien, on peut pas démonter, on peut pas détruire de choses.
péter en boucle à partir de... Non, on peut pas démonter des trucs. Donc on a juste à démonter ça maintenant. Ok, on a un raid. Attention quand même, c'est un archer, mâle, 36 ans. Soins et surveillance, mais un bon tireur. Alors, par bon, j'entends quelqu'un qui a deux flammes. C'est-à-dire que tout le monde va monter à 10 d'une façon ou d'une autre. Mais après, les gens régressent au-delà de 10, donc deux flammes, c'est bon. 1 et 2 flammes, c'est meilleur que 10 et pas de flammes. Ça veut dire que 1 et 2 flammes, la personne peut aller à 17, 18 si elle reste archère. Là où l'autre va complètement et forcément rester bloqué à 10. Ok, transhumaniste, homme-femme taupe, il a absolument rien d'intéressant, pas de talent de compétence. On n'a pas du tout l'intention d'en faire un prisonnier. Par contre, là où on a un problème, c'est que nos armes sont parties. Donc il attaque tout de suite ou pas? T'as l'air, ouais. Il a l'air de vouloir faire le tour. Meuble complexe, excellent. Ça va tellement vite maintenant, brassage de la bière, diable d'eau. Diable d'eau, j'aimerais bien le faire. Parce qu'il me semble qu'il se reproduit assez facilement. Les grands arcs, ça me plairait. Bien que. Mais bon, non. Je pense qu'il est temps de passer à la suite. Et la suite, c'est vraiment... la grande galère, mais en même temps, le début de la fin, quoi. Enfin, de la fin. Le début du début, quoi, on va dire. Taïa, te voilà. C'est bon, il arrive. On peut y aller. Ok. Donc, Grizzly a des couteaux. Un couteau. Le problème de Grizzly, c'est que il va prendre cher à mon avis. On n'est pas planqué derrière ça. On est un peu plus planqué derrière ça. Ça aurait été mieux. J'aurais bien mis quelqu'un ici, moi, plutôt. Et quelqu'un ici aussi. Vas-y, tu vas venir ici. Pas par là, bien sûr. Ok, visiblement, vu la position, je pense que le mieux, ça serait qu'il y en ait une qui se mette ici et l'autre ici. Vas-y, tu viens derrière. Ok, 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 là on va pas être protégé du tout. Si, peut-être, ça dépend. Faut voir. Faut voir comment il réagit. Ok. On se planque. Hop là. On se remet là. Et là on se remet là. Ok, oui. Allez, on y va, on y va, on y va. Ça, c'est fait. Ok, la caravane est arrivée à Vélé Rouge. Grizzly. Fracture, contusion. Oh, le corps à corps, mais c'est... C'est toujours un carnage, quoi. Bon, bah malheureusement, il est mort sur le coup. Donc, bah on va le déshabiller, mais... Ça va pas être ce que ça aurait pu être, quoi. Consommer, non. C'est Grizzly. Grizzly, tu pourrais le. Peut-être le découper. Avant d'aller te faire soigner. Colombe, tu pourrais. Déblayer la neige, non. Transporter. Ok, les autres sont arrivés à la Vallée Rouge. Que fait Libellule? Alflénar, ça. Et là où j'ai un problème, c'est que ma viande à moi, elle a été complètement périmée et fichue. Ou alors j'avais tout pris déjà. Non, c'est congelé, hein. Ouais, vite. J'avais tout pris. Alors, on va voir maintenant s'il y a à nouveau des animaux chassés. Et oui, je m'en doutais, il y a des animaux chassés. Voilà, c'est parti. Évidemment ici, on découpe tout.
On emportera tout. Tout ça, on n'en a rien à faire. Voilà, allez. C'est parti au boulot. On a aussi des bêtes qui sont mortes. Hein, et qu'on peut découper. Elle est morte depuis combien de temps, elle? Elle est fraîche, elle est congelée. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ça, c'est des cibles de chasse. Ok. Là, il est congelé. Parfait. Là, il est congelé. Bon, depuis 5 jours, ça va, ça se mange. Et là, un wapiti mort, congelé. Allez, allez. Grisly est soigné, j'espère. Non! C'est la blague, Renard. Ça va se remettre vite. Pas forcément, le coup il a pris cher. Colombe elle est à fond en train de faire des briques. Bon alors vous les filles, vous avez commencé à faire de la bouffe? Et on peut pas vraiment dire ça. Ah si quand même. Vous avez ramené les lapins. Voilà. Oh, Grisly s'est levé. Finalement, elle va pas si mal que ça. Comme d'habitude, elle en a vu d'autres. Oui, les deux autres, là, elles ont pas le moyen de faire dire pas, mais elles en ont. Elles en avaient. Ok, elles n'ont pas de repas. Malnutrition mineure. Donc, assignation, on vaut pas sans aliments crus. C'est pas génial, mais c'est comme ça. Vous allez chasser, revenir avec de la nourriture. Et peut-être un peu de bois aussi. On a coupé assez de bois. Oui, on a assez de bois d'avance. Ça aurait pu être bien aussi de revenir avec quelques composants. On a récolté les racines de vie sauvage. Bon, là on n'est pas retardé du tout. Puisque Grisly se repose, mais on a suffisamment de repas. On a juste besoin que Renard retourne faire des recherches et Colombe retourne faire des constructions. Est-ce que des monstres majeurs, Grisly sûrement? Non, Libellule. Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a encore? Inanition. Mais vous allez manger. Tu veux pas manger? Tu as de la bonne viande crue que tu peux manger.
Hirondelle va revenir avec une proie. Ouh, joli boutin. Voilà, ça va aller mieux. Tu pars chasser toi aussi? D'accord. Oh non, faut pas le rater lui, hein. Non, 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 faut pas le rater. J'ai besoin de sa laine. Vengeance, ça me fait pas peur. Elle commence à bien savoir viser. Ouais, agir le mouvement là. Nickel. Tu fais quoi? Par contre, là. D'accord, ok. Pas de soucis. Pas de soucis. Libellule, tu d'accord, t'es loin. Pour l'instant, hirondelle. Allez, go. De toute façon, c'est bon, il avance plus, lui. Il se traîne. Hein. Oui, bah c'est bon. Il touche au cerveau, à la... C'est quelle de blessure par balle, c'est bon. C'est bon, il viendra pas. Il touchera pas, là. Ah, on pourrait le domestiquer. Ça serait tellement bien d'avoir des bêtes comme ça. Ça aurait été tellement bien d'avoir des bêtes comme ça, mais je crois malheureusement que je l'ai un tout petit peu trop abîmé là pour le coup. Hémorragie, mordant 5 heures, mais surtout œil gauche, cerveau, je pense que c'est pas le bon plan. Secourir, non, pas secourir. Pourquoi secourir? Ça y est? Ok, c'est bon. Grizzly, t'es au boulot? Parfait, Grizzly est au boulot. Parce qu'on n'avait pas 70 repas, là? Eh non, 68, donc t'en fais 4. C'est bon. Ça me va. Colombe, j'aimerais bien que tu fasses... Voilà, là aussi. Oh, c'était joli. Tu pourrais faire les autres aussi, s'il te plaît. Et on va aller continuer voir ce qu'on a en production. La fonderie électrique. Le four crématoire, le distributeur de pâtes nutritives. Ah ouais. Oh. Oui. 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 Ah, je me souvenais pas de ça comme ça. Très très sympa. Très 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 sympa. Dans l'idéal, je mets ça là donc. Pas le four crématoire, le poste électrique, l'établi tailleur de pierre, oui, ça on l'a fait. Hein. Cuisinière à bois, cuisinière électrique, tissage manuel, établi de boucher, établi de sculpture en métal. Peut-être la fonderie électrique qui sera à faire là prochainement, bientôt sous peu. Parce que là on est ouvert, on est à l'extérieur maintenant. Et c'est gênant parce que les choses se dégradent du coup. Oui. La démarche majeure de qui? De Libellule. Allez, on commence. Et on réessaye. Vas-y. Tu peux le faire, y'a pas de raison. Et puis ça aussi.
on va mettre ici du minage. Comme ça, on va faire un gros nettoyage. Gazé est totalement guéri. Eh ben ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Continue, continue, continue. Faut que tu me tailles toute la zone là, que je puisse balancer mon truc à pâte nutritive. Après un sol. Je vais faire un joli petit sol de bord quand même. Oui, je vois quelqu'un travailler, mais non. Tiens, renard, tu sais pas miner? Et toi, colombe, tu sais pas miner? Renard, apparemment, elle sait effectivement pas miner. Ouais. Allez. Ils sont vraiment en train de s'abîmer les trucs là? Je comprends pas. Ah, c'est en extérieur. Ils pourrissent pas, ils s'abîment en extérieur. Bon, on va refaire les toits. Comment elle fait pour manger, elle, si elle peut pas aller là? Ok. Hop là. Hop là, hop là. Et Renard, on va me faire le toit au-dessus de ça. Ah, tu peux pas. Colombe. Zone de toit. S'abîmer. Si, c'est d'intérieur car en extérieur. Il faut vraiment que je ferme le truc. Le problème, c'est qu'après, il fera trop chaud. Là, il va falloir que je climatise. Pas le choix. Hein. Faut que ce soit en intérieur et froid. Mais c'est pas grave. Je sais faire. Il me faut de la techno, c'est tout. On ira la chercher. Juste après. En tout cas, là, on a fini. Le sol que l'on va mettre, ça va être du carrelage de marbre. Pourquoi pas. Avec ouais normalement plutôt comme ça. Un carrelage de ardoise, j'aimerais bien, mais j'ai pas d'ardoise je crois. On verra bien. Voilà, on s'apprête à faire notre distributeur de pâtes, à faire notre salle intérieure petit à petit. Hein. On va renforcer les murs après, élargir le couloir ici. On va faire pas mal de choses. Hein, donc ouais, élargir les couloirs, renforcer les murs. Et aménager surtout les chambres, puisque là maintenant ça va être la priorité. Dès qu'on aura fait les pâtes, dès qu'on aura fait la fonderie,
Dès que j'aurai trouvé un moyen de me débarrasser de ça, si je trouve pas moyen de me débarrasser de ça, eh bien ça ira. Parce que j'avais des mods avant pour repriser, pour décomposer, et là je repriser, je savais que c'était un mod pour réparer les objets comme ça, juste réparer. Mais je croyais que je pouvais les retransformer en tissu naturellement. Faudrait que je retrouve l'objet qui fasse ça, mais j'ai un dernier espoir, lieu d'assemblage. Avec un joint, coiffe tribale. Non. Non, non. Si vous savez quel est l'objet qui permet de décomposer, vous me le dites dans les commentaires. J'aurais peut-être trouvé la réponse d'ici là, mais peut-être pas. Je vais m'essayer de voir regarder. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite.